Bonjour, bienvenue dans la suite de calcul d'une semelle, à savoir la semelle isolée. Je continue avec le deuxième exercice. On s'est arrêté la dernière fois dans le calcul d'une semelle filante que vous voyez au fond. Maintenant, on va calculer cette semelle rectangulaire qui supporte un poteau isolé. Je reprends l'exercice, l'énoncé est le suivant. Soit un poteau rectangulaire de dimension 30 x 50, dimension en centimètres carrés, donc 30 cm x 50 cm, à charge centrée, c'est très important ici cette donnée. Pour pouvoir calculer avec la méthode des Biell, je répète, c'est primordial que la charge soit centrée. Si elle n'est pas centrée, la méthode des Biell ne fonctionne pas. Et aussi, elle doit être rigide, notre semelle. La charge permanente, c'est 80 tonnes, et la charge variable, c'est 15 tonnes. Alors, tout d'abord, on devrait convertir ça en méganewtons. Les batteries utilisées, on a un acier Fe400, un C28, 25 mégapascales. Les fissurations sont supposées préjudiciables cette fois-ci, et non pas très préjudiciables. Le sol support est de résistance très faible. Il admet une pression limite de 4 bars. Au-delà de 4 bars, il casse, il re se rupture. Donc c'est un sol très médiocre. On trouve souvent aussi en Tunisie, surtout la région du Grand Tunis. Le sol est très 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 faible mécaniquement. 4 bars, c'est parfois inespéré. C'est un très mauvais sol dans la région du Grand Tunis. C'est pour cela même au centre-ville, on utilise les pieux pour les semelles, les fondations profondes pour les grands ouvrages. Alors j'ai pris ici 4 bars, c'est 0,4 mégapascal, et pour le calcul, ça devient sigma Q, c'est passé en limite sur 2, ça devient 2 bars. 0,2 mégapascal, c'est très 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 faible. Et on va retrouver une très grande semelle. Et c'est pour cela, je pense utiliser le gros béton. Le gros béton ici, c'est 7 bars. Directement, la contrainte de calcul, c'est 7 bars. C'est une valeur moyenne. On peut trouver avant 6 bars, 6,5, 7, 7,5. Cette part, on peut le trouver dans le gros béton. Et c'est un matériau bon marché. J'ai estimé le mètre cube de gros béton en Tunisie à 250 dinars. Alors, je sais que les prix ont changé ces derniers jours, mais j'estime ça à 250 dinars. Pareil pour le béton armé, donc béton avec de l'acier. J'ai supposé que c'est 750 dinars par mètre cube fini. On va faire une comparaison entre une semelle avec gros béton et sans gros béton et voir qu'est-ce que ça donne. Premièrement, donc, déterminer les dimensions de la semelle, vérifier l'importance du sol, déterminer le ferrage de la semelle, vérifier le non-poinçonnement dans la semelle et estimer le coût de la semelle sans gros béton. Ensuite, le gros béton a une résistance de calcul sigma gros béton égale à 7 bar. On recalcule tout et on va faire une estimation du coût de cette semelle plus gros béton. Et normalement, on devrait retrouver un avantage à utiliser le gros béton vis-à-vis une semelle posée directement sur le sol. Alors, lorsqu'elle est posée directement sur le sol, ici, le sol, il est très faible. Sa résistance, elle est médiocre. Faites attention, le gros béton n'est avantageux que pour les sols très faibles. Si on a un bon sol, au-delà d'une contrainte de 7 bars ou 8 bars, donc c'est pas la peine d'utiliser le gros béton. On commence par, premièrement, les déterminations des dimensions de notre. Je commence une nouvelle page. Exercice 2. Pardon.
Notre poteau, cette fois-ci, c'est un poteau qui est rectangulaire. La section, elle est rectangulaire. C'est 30. Voilà. Okay. La plus grande, c'est 50. Et ça sera B. La plus petite, c'est 30. Et ça sera A. Sur l'axe, ou bien dans l'axe de ce poteau, on applique une charge, un effort normal centré au centre de la semelle. Donc, on peut utiliser la méthode Debye. Cette charge ultime, normalement, c'est 1,35 Ng plus 1,50 Nq, sachant que Ng et Nq sont 60 tonnes, 80 tonnes et 15 tonnes. On va déterminer. La plus petite, c'est A, donc j'allonge ici. Hop. Voilà notre semelle isolée. On va déterminer H. Ah, cette distance, c'est B', et celle-là, c'est A'. On commence le calcul de la charge. Donc, Nu, c'est 1,35. Ng, c'est 80 tonnes. Alors, je laisse en tonnes, puis je fais la conversion en méga-newtons. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, je travaille toujours mégapascal. Bien, j'essaie de travailler avec mégapascal, méga-newtons et les mètres, mètres carrés. S'il reste fidèle à ces unités, je n'aurai pas de problème dans les calculs. Sachant que 1 méga newton, c'est à peu près 100 tonnes. Ça, c'est ce que je retiens. Plus 1,50, alors chez Q, 15 tonnes. Ça donne quoi? 1,305 méga newton. C'est-à-dire, c'est 130,5 tonnes. Ça, c'est la charge ultime sur. Pour pouvoir calculer ceci, A', comme j'ai dit dans la séance de cours, c'est cette surface de contact, A' fois B', c'est un rectangle, doit être supérieur ou égal à Nu plus 1,35 G0 que je ne connais pas et que je dois estimer sur la contrainte de calcul du sol. G0, je vais supposer, ah, ici, c'est une semelle assez imposante, à 1,5 tonnes. Peut-être ça va être moins, peut-être ça va être plus en fonction de l'auteur H et les dimensions que je vais prendre. Mais je commence donc je suppose. Eh bien, je pose qu'elle fait une tonne et demie et ensuite je vais vérifier. La contrainte de calcul, c'est la pression limite sur 2. C'est toujours si on n'a pas des efforts horizontaux. On a seulement des efforts verticaux. Ça donne 4 sur 2. C'est 2 bar, c'est 0,2. Mégapascal, sachant que le bar c'est 1 kg par centimètre carré. 1 kg force par sur 2 centimètres carrés. Directement ici, 1,35 fois G0. C'est 1,35 fois 0,0, hein, c'est ou bien 1,5 tonnes, c'est 2,025 tonnes, c'est 0, zéro, deux. Alors je peux m'arrêter à quatre chiffres après la virgule pour les méga-newtons. On en revient à 5. Et pour le méga-newton, je m'arrête à quatre chiffres.
Attention, le méganewton, c'est une unité assez élevée. Il faut pas jouer, hein. Il faut toujours s'assurer qu'on a 5, 4 chiffres après la virgule. Imaginez que j'enlève tous ceci, c'est 0, donc c'est pas 0. En fait, c'est 2 tonnes. C'est pas négligé. Je remplace cette formule alors par l'application numérique, appelée une brève prime, doit être supérieur ou égal, ici c'est 1,305 plus 0,0200, ici exactement un autre 0. Voilà. 225 sur 0,2. C'est assez grand. C'est assez volumineux. C'est 6,851 mètres carrés. Vous voyez la surface qu'on devrait avoir. C'est plus que 6 mètres carrés. C'est plus, donc à peu près, on va trouver 3,5 et 2. Ici, les deux inconnus sont A' et B'. Mais je sais par une semelle hypothétique, A sur B est égal à A' sur B' qu'on a vu dans le cours. Donc A', c'est 3 cinquièmes parce que A égale à 30, B égale à 50 en centimètres. Donc 30 sur 50, c'est 3 cinquièmes. Donc A', c'est le 3 cinquièmes de B'. Et je remplace A' ici. Donc je retrouve que 3 cinquièmes de B' au carré doit être supérieur à 6,851 mètres. B' devrait être supérieur à 5 tiers, 6,851, et c'est 3,38 mètres. Vous voyez, c'est énorme cette semelle. C'est plus que 3 mètres. Pourquoi? Parce que le sol, il est médiocre. Et en remplaçant ici B' par 3, on devra retrouver que A' devrait, c'est A, A' devrait être supérieur à 2,02 mètres. Soit, alors si je reste, j'ajoute juste des paliers de 5 cm ou bien de 10 cm, je prends, voilà, on prend B' pour un premier dimensionnement est égal à 3,4 mètres, A' est égal ici 2,05. Et on va voir que est-ce que c'est vérifié pour la semelle ou pas. Moi, d'habitude, j'augmente toujours les A'. Je laisse B' assez proche de cette valeur, mais A', je l'augmente assez souvent. Parce que pour retrouver plus grande surface, et la contrainte va diminuer. La hauteur maintenant. H. Comment on détermine la hauteur H? C'est en déterminant D. Et pour cela, tout d'abord, je définis deux des zéros, des 0,1 et des 0,2. Les deux des zéros en fonction de B' moins B sur 2, ici A' moins A sur 2. Ici, la semelle, elle est rectangulaire. Cette section rectangulaire, c'est une semelle rectangulaire plutôt, c'est pas carré. Donc on a deux dimensions. La D, on a vu ça, c'est compris entre B', c'est-à-dire des 0,1 sur 2, des 0,1 sur 2 et 2 fois des 0,2. 2 fois des 0,2. Ça donne 0,700 parce que tout ça, 3,4 moins 50 sur 2, et l'autre c'est 2,05 moins 0,3
sur 2, ça donne 0,7, 0,725, c'est-à-dire 72 cm, et l'autre c'est 1,15 m. En mètres. Alors ici, je prends 75 cm, D, 75 cm, et par la suite, H, c'est 80 cm. Vous voyez, 80 cm, c'est une hauteur imposante. Du coup, j'ai 0, le poids propre de la semelle, c'est B', fois A prime fois H fois le rho béton armé, 2,5. Ça devient, alors tenez-vous bien, c'est 13,94 tonnes. Et on avait estimé dans les premiers jets de calcul à 1,5 tonnes. Ici, je calcule, c'est 0,1394 méga-newtons. La contrainte qui est Nu plus 1,35 G0 sur A' fois B', j'ai trouvé que c'est égal à 0,0021. Elle dépasse la contrainte de calcul du sol. Elle dépasse. Elle est 0,2. Pas beaucoup, mais elle dépasse. Donc les dimensions de la semelle, ou bien le sol sur la semelle, il risque de ne plus être stable. Ce que je vais faire, on augmente. On augmente. Surtout A prime. A prime, ça devient, je vais prendre 2,15, je vais ajouter 10 cm. Et B prime, elle était de 3,4, je vais prendre 3,50. Alors pourquoi? Bon, j'ai ajouté 10 cm pour les deux. Bon, c'est pas. Alors, ça devient 3,50 mètres. Je refais tous les calculs. Je refais tous les calculs. Je retrouve D. D égale à 75 cm. Donc je fais exactement comme tout à l'heure. Hein. Donc on fait 0,1 sur 2, etc. Donc je laisse des 75, c'est admis. H, ça reste 80 cm. Et notre semelle, elle devient quoi? Elle devient 3,50 m. Fois 2,15 m, fois 0,80. Elle est assez grande pour. Pourquoi? Parce que le sol, il est médiocre. Le sol, il est médiocre. G0, c'est tout ça, fois 2,5 tonnes. Ça donne 15,05 tonnes. Bien sûr, son poids augmente. Par contre, si je fais la contrainte, je rappelle, c'est Nu plus 1,35 G0 sur la surface, 3,5 fois 2,15, je trouve 2,00 mégapascal. Alors, ça, c'est admissible. 2,00 mégapascal. Je suppose, je prends ça. Donc le sol, il est supporté.
plutôt la semelle, elle est supportée par le sol. Maintenant, pour le ferraillage de cette semelle, F1, l'effort F1, c'est MU D01 sur 4 D1. La semelle, parallèlement à B, on a deux armatures. Ici, ce sont les armatures parallèles à B. Ça, c'est B. B'. Ces armatures-là, elles sont les armatures inférieures. Donc, ça, c'est D1. L'autre armature, les autres armatures, dans l'autre sens, c'est D2. On commence D1 est égal à D, et ensuite D2, on va enlever de D1 le diamètre des armatures qu'on a calculées. On commence toujours par calculer A1. C'est A1. Donc, MU est 1,503 fois 1,5. D01, c'est 3,5 moins 5 sur 2, sur 4 fois D1, qui est 0,75. C'est 0,7715 méganewtons. A, U, 1. Alors, c'est ça, 0,700. 7715 sur 348, ça en mètre carré fois 10 à la puissance 4, et on retrouve une section ultime est égale à 21,59 centimètres carrés. Ça, c'est la section ultime. La section ultime, c'est une section qu'on devra multiplier et ajouter 10% si la fessuration, la fessuration préjudiciable, on retrouve ici A1 qui est égal à 1,1 fois A U1 1,1 fois 21,59 cm². Et ça donne... Qu'est-ce Où est-ce que j'ai mis ça? F1. Oui, c'est 23,41. C'est 23. 41 centimètres carrés. Alors tout le long de, on va les disposer tout le long de A parce que c'est parallèle à B, parallèle à B prime. Donc ça sera disposé sur une longueur, sur une longueur et est égal à A prime. Une longueur égale à A prime. Si je choisis les HA10, A, HA10, je devrais mettre 30 HA10. 30 HA10. L'espacement, ça sera la longueur de A, qui est égale à combien? De A' plutôt, c'est 2 mètres, 2 mètres 15. Je vais enlever 5 cm de chaque côté, donc c'est 10 cm. Ça devient 2,05 m. Et le nombre des espacements, c'est 29. Le nombre des espacements, c'est 29. Donc ça devient... la distance est 2,05, bien 205. 205 divisé par 29. Donc, l'espacement de 7 cm.
C'est assez peu. Donc, les espacements, 7 cm. C'est assez peu. Par contre, en HA12, alors comment je trouve le nombre? Je divise cette section par la section d'une barre HA10. Je divise cette section sur la section d'une barre HA12. En HA12, je devrais mettre. En HA12, c'est 21 barres. 21 barres. Donc l'espacement, c'est à peu près 9 cm. Donc c'est 200 divisé par 20, c'est 10 cm. Donc je peux laisser en 12 cm. Ou bien même utiliser les HA14. Ah. Donc vous voyez que cette semelle, elle est lourdement ferraillée. Le ferraillage, il est assez important. Donc je divise 23,41 sur la section d'une barre HA14. Une barre HA14, c'est pi fois 1,4 au carré divisé par 4. Donc je trouve ici 16. 16 HA14. Et l'espacement ici, ça devient 205 divisé par 15. C'est 13,6 cm. Donc on a le choix entre ces trois valeurs. Soit on utilise 30 HA10, soit 21 HA12, soit 16 HA14. Et l'espacement, il augmente avec les barres. Donc, moi, je vais supposer que je vais utiliser ce choix. Je retiens ce choix. Je laisse 10 cm comme espacement. Je laisse 10 cm comme espacement avec des barres HA12. Si je laisse l'espacement de 10, D2, pardon, D2, ça devient D1 et j'enlève le diamètre d'une barre HA10, HA12. D1 moins 1,2. D1, 1,2, ça devient 73,8 cm. Je fais le calcul de nouveau. F2, donc parallèlement à A'. Je trouve qu'il est égal à 0, 0, 4709 méganewton, méganewton. Et A2, plutôt l'ultime 2, c'est 1353 centimètres carrés. Et à 2, à fessuration réjudiciable, c'est 14,88 centimètres carrés qu'on va disposer ici sur une longueur de B', sur 3 mètres. Donc l'espacement sera plus important dans ce sens. Alors à 2, si je choisis en HA10, HA10, je divise ceci sur le diamètre d'une barre, la section d'une barre HA10. C'est 19. 19 HA10. Vous pouvez utiliser le tableau pour retrouver ces valeurs aussi. 19 HA10. Et espacer. Alors, comment je calcule l'espacement? C'est B' moins 10 cm divisé par le nombre d'intervalles des barres, c'est 18. Ou bien donc c'est le nombre de barres moins 1. L'espacement, je trouve ici, fais le calcul, donc c'est 3,5, bien 350, 350 moins
moins 10, c'est 340. Et 340 divisé par 18, un espacement de 18,88 cm. Donc vous voyez, c'est un espacement plus grand. En HA 12, si je souhaite utiliser des HA 12, ça sera seulement 14 barres. Et l'espacement, pareil, c'est 340 moins 13. Alors, ça sera plus important, l'espacement dans ce sens. 340 divisé par 13. Et là, nous sommes à 26 centimètres. 26 et quelques. Donc, on a le choix entre les deux. Soit on utilise les HA10, ou bien, pareil, on utilise le même acier, alors moi pour des conditions de ferraillage et de chantier, j'utilise le même bar d'acier, à savoir 21 HA14 parallèlement à B. Donc cet acier-là, c'est un acier parallèle à B', ou bien B. Et cet acier, il est parallèle à A'. On dispose cet acier dans le plus petit côté et l'autre dans le plus grand côté. Alors je vais vous montrer comme j'ai fait pour la semelle filante, le ferraillage, comment il est fait. Donc vous voyez la plus grande dimension de la semelle, c'est B'. C'est cette dimension-là. C'est celle-là. Vous voyez ici, parallèlement à cette section, ou bien cette dimension, vous avez le nombre de barres qui est les barres principales, disons-le. Elles sont disposées en bas. On mettra tout l'autre. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, 21 barres en bas. Dans l'autre côté, c'est-à-dire parallèlement à A', on a les barres qui sont disposées sur les autres barres et on a fait 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et vous voyez que l'espacement des barres principales est plus petit que les barres secondaires. Elles ne sont pas secondaires, mais elles sont qui travaillent aussi, mais dans ce sens, en secondaire. Ici, c'est la barre principale. Et l'autre armature qu'il faut disposer dans la semelle, ce sont les armatures d'attente pour le pré-poteau. Cette semelle va supposer, elle est supposée reprendre l'effort d'un poteau. Donc, ce poteau, il doit avoir son ferraillage déjà dans la semelle avant le bétonnage. L'auteur de la semelle et les dimensions de la semelle sont très importantes, trop importantes. Il faut prévoir pour la non-fragilité du béton d'autres armatures. Ce n'est pas le cas de notre étude. Je vais juste calculer le prix estimatif de cette semelle. Et on va vérifier ça ou bien comparer ça avec une semelle avec gros béton. Donc, pour toute cette semelle, pour ce volume de béton armé qui est 3,5 fois 2,15 fois 0,8, multiplié fois le prix unitaire donné dans le l'énoncé, c'est 750 dinars par mètre cube. Ça donne un coût total de 4 515 dinars. Vous voyez, c'est énorme. C'est énorme et ça devrait être non économique d'utiliser cette semelle directement posée sur le sol. Le sol, il est de très mauvaise qualité.
C'est pour cela que je vais passer à la deuxième partie de cet exercice. Et dans cette deuxième partie, on a dit, on va mettre du gros béton. Et j'explique ici c'est quoi le gros béton. Le gros béton, c'est un mélange. Deuxième partie, je pense, cinquièmement. Gros béton. Nous avons ici notre semelle. Au lieu que notre semelle, elle soit supportée par le sol, on va substituer le sol, on va remplacer le sol par un autre matériau plus résistant, à savoir le gros béton. Et maintenant, notre gros béton va servir de support pour la semelle. Le gros béton, il est dosé à 250 kg de ciment par mètre cube minimal. On utilise du gravat plus important que le gravier. Et on va dimensionner maintenant la nouvelle semelle et on va supposer qu'elle est supportée par le gros béton. Nous avons toujours notre charge ultime dans le centre, dans l'axe de la semelle. Donc, quelles sont les nouvelles dimensions de la semelle? Les nouvelles dimensions sont les suivantes. Donc, je vais prendre A', B'. Donc, je reprends exactement les mêmes calculs que tout à l'heure et je remplace la contrainte du sol par la contrainte du gros béton. C'est PU, c'est NU pour notre cas, plus 1,35 G0 sur sigma gros béton. Et enfin, on a déterminé la semelle, on va déterminer la dimension du gros béton, sachant généralement dans les. Ici, c'est à peu près 70 cm. Et à peu près, on atteint le bon sol, mais ça doit être toujours supérieur à 70 cm. Il suffit d'atteindre le bon sol par le gros béton et on va calculer le débordement du gros béton en déterminant la nouvelle surface de contact du gros béton avec le sol. Je trouve ici. Sigma gros béton, directement les données, c'est 0,7 mégapascal. Donc on passe d'un sol de 0,2 mégapascal à du gros béton à 0,7 mégapascal et le calcul me donne 2,17 mètres carrés. On passe de 6,6 mètres carrés à 2,17 mètres carrés. Du coup, je retrouve de nouvelles dimensions de la semelle. Donc, je vous laisse le soin de faire tous les calculs. Je trouve que B' est égal, alors même pas 2 mètres, c'est 1,90 m. A', je trouve que c'est 1,20 m. Et je trouve, alors je continue le calcul, et je trouve que D est égal à 35 mètres. 35 cm, excusez-moi, 35 mètres, oui. 35 centimètres. Alors, l'autre. Alors, plutôt, c'est 40 cm. 40. Je vais vérifier. Et H, 45 cm. La contrainte, elle est vérifiée. Donc, il n'y a pas de problème avec cette semelle. Le ferraillage, ça me donne un ferraillage de 19 H à 12 parallèlement à B. Et je trouve 13 H à 12 parallèlement à A, ou bien A'. On reprend le même calcul. Donc, il n'y a pas de changement dans le calcul. Je préfère ne pas les refaire. Les dimensions de la semelle et le ferraillage, je peux vous le montrer ici. Oh, pardon, c'est pas ça. C'est ça. Donc, vous voyez, à partir de cette semelle, je retrouve une autre semelle. Donc, vous allez voir qu'elle est
moins importante que la première. Donc vous voyez déjà dans le champ, c'est en orthographe. Donc vous voyez ici notre semelle avec le gros béton. Bien sûr, ici vous voyez la tente pour le pré-poteau, les quatre. Il faut prévoir au moins trois cadres dans la zone de recouvrement, mais ça ne s'intéresse pas à ça. Je m'intéresse au ferraillage de la semelle. Vous voyez les deux semelles ensemble et j'ai juste ajouté un gros béton ici. Donc je passe d'une semelle qui coûte environ 4 000 dinars, 4 millions de millis, 4 000 dinars. Je vais estimer directement le calcul, ça va me donner. Ça va me donner un volume qui coûte pour seulement la semelle, le béton armé de la semelle, 769 dinars. Donc on passe, je vais noter ça dans l'exercice, donc on passe avec le volume de la semelle, donc le volume et le prix du béton armé. Donc le volume de la semelle, je multiplie 1,9 fois 1,2 fois 0,45 fois le prix 750 dinars. Je trouve que pour le béton armé seulement, c'est 769 dinars. Bien sûr, ce n'est pas tout le coût de la semelle, le prix, il y a le prix de la feuille supplémentaire qu'on va faire et le prix du gros béton, mais ça reste toujours une grande marge. Donc on passe, on gagne plus que 3 000 dinars en ajoutant du gros béton. Alors le gros béton, pour retrouver ses dimensions, alors ces dimensions, je vais les noter A fois B, ça sera supérieur ou égal à NU, plus 1,35. G0 de la semelle, qu'on pourra ajouter aussi le poids du gros béton, mais ça sera toujours vérifié. Sur cette fois-ci, la contrainte de calcul du sol, je trouve que c'est 7,66 mètres carrés. Et par le même calcul, je vais retrouver B supérieur à 3,75. 3,57 plutôt mètres. En tout cas, ça sera à environ 3,6 fois 2, quand je pense je n'ai pas fait le calcul. Mais le principe, voilà, c'est 3,6. Et avec la même règle que A sur B est égal à A' sur B' égal à grand A sur B, B c'est A c'est 2,2 mètres. Et pour l'auteur, je vais supposer que je vais seulement atteindre le bon sol. H de la semelle c'est 70 cm. Alors même si je prends ces dimensions-là, le volume de la semelle, ça devient 3,6 fois 2,2 fois 0,7, que je multiplie fois le prix unitaire du gros béton, ça devient 1386 dinars. Je reste toujours, ou bien j'ai toujours une marge par rapport à la semelle sans gros béton. Et je finis l'exercice, c'est déjà 20 minutes, je finis l'exercice avec la vérification du non-poinçonnement de la semelle. Donc pour le non-poinçonnement de la semelle, on a 1,35 fois G0. La vraie dimension de la semelle, c'est 0,03 mégaNewton. La charge poinçonnante, alors PU', ou bien NU', je laisse PU', comme dans le cours, est égale à PU. La charge ultime, NU,
plus 1,35 G0 moins PU plus 1,35 G0, c'est pour cela que j'ai calculé 1,35 G0 tout seul, fois A2 B2 A' B'. A2 est égal à A plus 2H, B2 B plus 2H, ça donne ici 1,2 mètres, ici 1,4 mètres. PU prime est égal zéro 373 méganewton. Il faudra comparer cette valeur avec quoi? Avec 0,045 UC, le périmètre de rectangle d'impact, H', qui est H, c'est une sommelle rectangulaire, FC28 sur gamma B. UC, c'est 2 A1 plus A1 plus B1. Plus B1. A1 est égal à A plus H. B1, B plus H. Alors, le calcul, ça me donne directement UC 3,4 mètres. 3,4 mètres. H', c'est elle-même H, c'est 0,45 mètres. Alors, je vérifie ici la semelle, voilà, 45 centimètres ou bien 0,45 mètres. Et 0,045 fois 0,45 H' fois 3,4 le périmètre du rectangle d'impact fois 25 FC28 sur 1,5 gamma B 1,5 gamma B. Je retrouve, j'ai fait une erreur dans le calcul, j'ai supposé que 1,5 gamma B égale 1,15. En fait, 1,15 c'est gamma S. Passe sur 1,5. 1,5. Multiplier 3,4. 0,45 fois 0,045. Ça donne 1,1475. 1,1475. Et on voit très bien que notre charge poinçonnante, PU', elle est inférieure à 0, plutôt, voici 1,1475. 75. Donc il n'y a pas de poinçonnement dans la semelle. Méganewton. Ok. Donc notre semelle, elle est vérifiée. Concernant la question économique, on retrouve qu'une semelle sans gros béton, elle est moins économique qu'une semelle avec gros béton. Mais cela n'est vrai que lorsque le sol est médiocre. C'est, on a un beau sol, donc il faut faire un autre calcul, une autre étude pour retrouver si notre on a besoin d'utiliser le gros béton ou pas. Donc voilà la deuxième question, la deuxième partie de l'exercice consacrée à une semelle qui est isolée. Sous un poteau rectangulaire, qu'on voit
On va voir une dernière fois ici le schéma de farage des différents semelles qu'on a calculées. Vous avez ici la semelle filante sous un poteau, sous un mur ou bien un voile, avec les armatures principales qui sont parallèles à la largeur de la semelle B, B', et les armatures secondaires sous le mur, parallèles au mur. Ici, la deuxième semelle, c'est une semelle isolée, mais sans gros béton, avec un sol très, très médiocre. Sa résistance, bien sa pression limite, elle est assez faible. Et pour corriger ceci, on utilise le gros béton et on retrouve une semelle moins importante. Donc vous voyez que cette semelle ici, elle est moins importante que tout à l'heure. Et bien sûr, son prix est nettement inférieur à celui d'une semelle sans gros béton. Alors pourquoi ça? Parce que notre sol, il est de faible portance. Voici le schéma de ferraillage de la semelle. Mais si on devrait faire ça, retrouver les élévations, donc vous voyez ici l'élévation de la semelle. Est, je passe à l'ouest. Donc ici, c'est la grande semelle. Ici, c'est la petite semelle avec le gros béton. Alors, si je passe vers le sud, donc voici la grande semelle. Ici, la petite semelle avec toujours les armatures en attente pour le poteau. C'est très important de les mettre avant le ferraillage, bien sûr, avant le bétonnage plutôt. Voilà, j'espère que vous avez été attentif à cet exercice. Comment faire le calcul d'une semelle, comment retrouver les dimensions. On va finir bon, bien dans la séance qu'on va avoir pendant cette semaine. On va corriger l'examen de 2019, le calcul d'une semelle, et vous rendre les copies du devoir de contrôle. Merci et à bientôt.